On a besoin d'oignons verts, de gingembre, là j'ai du gingembre préparé, de la poudre de 5 épices, de la poudre de gingembre, de la sauce soja assaisonnée pour les fruits de mer et du poivre. Alors j'ai coupé la queue pour essayer pour voir si c'était maillé ou pas, et aussi pour que ça rentre dans le plat. Alors on commence par faire des entailles pour que ça, les épices se rentrent bien dans le poisson. On fait ça des deux côtés. On va mettre les épices comme le gingembre. On va commencer par le poivre, le gingembre, les 5 épices, peu importe l'ordre pourvu que vous en mettez quoi. On masse bien pour bien faire pénétrer les épices dans le poisson. Et n'oubliez pas d'assaisonner les deux côtés. On met dans le plat de cuisson, ça on débarrasse à la planche. On met notre sauce soja. Voilà, partout, un peu dans le ventre et de l'autre côté. Pour notre planche, on coupe la partie blanche des oignons verts qu'on va mettre dans le ventre du poisson avec du gingembre. Et tout ça dans le ventre du poisson. Belle cuillère à soupe de gingembre. On va également couper du gingembre en lanières. Les gingembre sous le poisson et deux sur le poisson. Et c'est parti pour une cuisson à la vapeur d'environ 35 à 40 minutes.
Tout dépend de la taille du poisson. Ça peut être moins aussi. Mais il faudra juste vérifier avec une fourchette. Vous piquez le poisson et s'il y a plus de résistance, c'est qu'il est bien, c'est qu'il est cuit. Si ça résiste encore un peu, laissez 2-3 minutes de plus. Pendant ce temps, on va couper les oignons verts en lanières également. Qu'on va mettre sur le poisson en fin de cuisson. Je vérifie la cuisson de mon poisson. Regardez. Parfait. Bon, s'il y a une résistance, ça se peut que ça soit les arêtes aussi. Mais là, il était bien moelleux, cuit à point. On rajoute les oignons verts. Ensuite, on va faire chauffer de l'huile très chaude, fumante, qu'on verse sur le poisson. Ça permet de relever les saveurs de l'oignon vert qu'on vient de rajouter avec le gingembre. Puis, on va finir avec une touche de fleur de sel. Et voilà. Merci d'avoir regardé. Et si vous avez aimé, laissez un pouce bleu. Si vous avez des suggestions de recettes, laissez un commentaire. Peace!